je peux pas. Le pirate Capitaine Griffe vient de trouver l'île des crânes. Oui. Oh, pas maintenant. Ils vont partir à la recherche du trésor. Oui. Oh, je t'ai dit non. Viens faire du cerf-volant avec nous, Tété. Bon, merci. Je veux finir mon histoire. C'est vraiment trop... Aïe. Cookie. Ok, cette fois, je vais y arriver. Oh, hey. J'en ai assez de ce cerf-volant. Les cerfs-volants, c'est pour les bébés de toute façon. T'as qu'à lire avec moi, Maripi. C'est vraiment trop bien. Le capitaine Griffe et Barnacle sont presque arrivés sur l'île. Et ils ont une carte qui indique où se trouve le trésor. Les deux autres pirates, Falda Rosa et Tito, sont aussi à la recherche du trésor. C'est à qui le trouvera en premier. Oh. Et c'est... Mon livre! Je ne saurai jamais qui a trouvé le trésor. Oh, non, non. Allez vite, sac panda. Chapeau de pirate, longue vue, sabre. On va essayer de savoir comment l'histoire se termine. Après avoir survécu aux tempêtes et aux serpents de mer, le capitaine Griffe et Barnacle débarquent finalement sur l'île des crânes. Mais ils ne sont pas seuls. Trop tard, capitaine Griffe. Le trésor est à nous. Falda Rosa et Tito. Quoi, Tomate? Cette aventure est bien trop dangereuse pour un petit chien. Reste ici. C'est par là, à travers la... vallée des fourmis géantes. Géantes. Elles ne sont pas si grosses en fait. Falda Rosa et Tito sont déjà là. Regarde. Les voilà. Il faut qu'on se dépêche. D'accord.
les pirates. Découvrons ce qu'il y a dans ce coffre. Un livre. C'est mon livre de pirate. C'est la mère qui nous l'a redonné. Il est plus en très bon état. C'est pas grave. Notre fin d'histoire était encore mieux que je ne l'aurais imaginé. Quelle super aventure! Et maintenant, je sais ce que je vais faire plus tard. Pirate!